Dans cette vidéo, je fais essayer le CrossFit pour la première fois à mon modérateur Discord. Habituellement, il gère tout sur le Discord et sur Twitch, et heureusement pour lui, il fait un peu de musculation. On a eu quelques problèmes de son pour le début de la vidéo avec le nouveau matériel que j'ai acheté pour l'occasion, donc on a tourné plein de choses au début, comme l'intro, mais finalement, il n'y avait aucun son. Oui les gars, on est complètement en train de vous refaire tout le début de la vidéo au montage. Je lui prépare un petit saut pour la suite, on sait jamais ce qui peut arriver. Pour commencer, on va tester son agilité et sa mobilité. Il va nous faire un petit poirier contre le mur. Ok, le test du poirier, c'est validé. Ensuite, on va voir s'il sait faire un squat avec la barre au-dessus de la tête. Le but, c'est déjà de se mettre en place et ensuite d'être assez mobile sur les hanches et sur les genoux pour descendre. Ok, je me mets en place avec la barre qui fait déjà 20 kg. Ça va, ça descend bien. Je me sens plutôt à l'aise avec cet exercice. Je suis étonné les gars, il se débrouille super bien. Dernier test, assez dangereux celui-ci, on va voir s'il peut marcher sur les mains. Je lui fais une petite démonstration, l'objectif c'est de réussir à marcher deux cases, ça fait l'équivalent de 2 mètres. Bon allez, c'est parti, j'essaye de te faire ça. Wow, ok, bon je me stabilise un peu, ok, j'arrive à avancer. Je pensais pas qu'il réussirait tous ces tests, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais il a été vraiment très fort. Du coup, je vous reprends, on a enlevé les micro-cravates. Là, on vient de se rendre compte, ce qu'on tourne depuis 30 minutes, il n'y avait pas de son, donc je vous rajouterai peut-être toutes les voix au montage. Ensuite, je vais te faire tester un deuxième truc, ça va être la corde à grimper, donc il y a deux manières de monter. Donc la première technique, technique de grosse brute, sans les jambes, juste avec les mains. Si tu montes comme ça, au bout de 2-3 grimpées, t'es finito. Et la technique que je voulais te montrer pour que ça soit beaucoup plus facile, c'est d'utiliser les pieds. Là, je te laisse faire un petit one shot, un petit peu comme tu le sens. Et franchement, il s'en sort bien. Full force, il s'en sort bien. Et là, essaye d'utiliser un petit peu les pieds pour ralentir la descente. Ah, c'est pas mal, il y a de la technique. Alors maintenant, avec les jambes. Essaye de lever les genoux au maximum pour gagner de la hauteur. J'y arrive pas. Ok. Alors. Deuxième essai. On va voir s'il a compris la technique des pieds. Pour l'instant, oh, c'est peut-être un souci de chaussures aussi. Les espèces de Air Max là, il y a mieux. Bon. Je voulais lui refaire tester la marche sur les mains parce que là, le premier essai, il m'a impressionné. Ouais. Donc là, on est reparti. Deuxième essai. Vraiment, le deuxième essai de toute sa vie. Ok, ok. Ça, le deuxième essai ressemblait plus à un vrai premier essai. Je m'en fous, je retente, il n'y a pas de... C'est terrible. Troisième essai, allez, sois en confiance, comme le premier. Ok. Oh, c'est propre, hein. Ça tient bien. Les 2 mètres. Allez, valide la 2. Oh, il a validé les 2 mètres. C'est chaud. Là, tu viens de mettre en sueur la moitié des gens qui font du sport sur ton premier essai. Du coup, je t'ai préparé un petit circuit qu'on va pouvoir faire tous les deux. Donc, il y a plein d'exos, par exemple, calories ou ski erg, on va les faire en alterné. Donc, du style, le plan, ça serait j'en fais 10, t'en fais 10, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on en ait fait 100. Pareil pour les box jump. Le devil press, prépare-toi, je te mettrai au montage ce que c'est. C'est un des pires exos, je pense, du crossfit. Ensuite, j'ai mis pour les tractions, comme t'as pas les techniques de keeping et de butterfly, on va faire ensemble 40 tractions strictes. Ensuite, l'exo que t'as testé juste avant, 10 montées de cordes, à partager, ça devrait aller. Aussi, deuxième pire exo du crossfit, les thrusters. Je pense qu'après ça, à ce moment-là du circuit, tu seras pas loin de la fin de ta vie. Et le dernier truc, ça sera pas à partager, on va les faire ensemble. Le but, je vais pas aller à fond, mais tu vas essayer de suivre un petit peu le rythme. Burpees, box jump over. Et pour finir en beauté, on refera 100 calories au ski erg. Il fait pas le dernier là. Non, j'adore. Attends, je me dis, il y a eu un rajout là sur le dernier des... Comment tu te sens face à tout ça? Tu en confiance? Moi, la seule chose que je tiens à dire, pour les tractions, j'ai refusé la vague. J'ai refusé la vague. De toute façon, tu saurais pas la faire. Ouais, ça commence à entrer dans le dur là. Allez, balance ça. Allez, lâche pas CF. Let's go, allez, encore deux. Allez, c'est le pire exo, ça je sais. Ça je te jure, c'est le pire exo.
sa grand-mère. Comment ça, 5 déjà? Allez, encore 5. Allez, t'as fait la moitié, tu fais l'autre moitié. Quarante tractions. Allez, commence, t'en fais 5. Ça repart, 5 encore. Hey Calvin. Elle m'a ramené le saut en plus. Là c'est pour la magnésie. Tu veux t'en mettre, tu veux t'en mettre un peu? Ouais, ça serait une petite pause. Hey Calvin, c'est ta troisième là déjà. Allez. Allez, détends bien les bras. Allez, encore 2. Allez. Une dernière. Hey Calvin, tu l'as? Oh. Ah, dégueulasse. Oh, c'est terrible, c'est trop facile pour toi. Je fais des vagues d'habitude. Hein. Moi, la seule chose que je tiens à dire, pour les tractions, j'ai refusé la vague. Allez, Calvin, les 5 dernières. J'aurais dû dire de faire des vagues. Allez. Allez, champion. Allez. Break, tu fais 3 et 2. Allez, hop. Lâche la barre et t'en refais 2 vite. Descends, reprends les bras. Allez, 2 direct. Allez. Allez, Calvin, la dernière. Pour la gloire, dernière fraction de la vidéo. Il change de prise. Tout pour le cinéma, tout pour les caméras. Ouah. Allez, je la fais là. Celle que t'as loupée. Ah, c'est trop grave. 10 montées de corde. Ah ouais. Hey Calvin. 10 montées de corde. 10 montées de corde. On en fait un chacun notre tour. Je suis mort, putain. Avec Calvin là, les avant-bras, bon courage. Il y en a plus là d'avant-bras là. Il n'y a plus de dorsaux, plus de biceps. Avec Calvin, fais-nous ton montée de corde. Putain, je me souviens plus de la technique. Allez. Ah, je suis décédé, putain. T'inquiète. Ah, c'est grave, les gars. Vas-y, je fais la première, t'inquiète. C'était trop facile là. Il y a eu la difficulté pour toi. Allez Calvin. Ah c'est terrible. Ah c'est terrible, j'y arrive pas. Fais les moitiés de corde, pas de soucis. Allez, envoie. Allez, direct, après c'est mon tour. Et tu pourras te reposer. Allez. Fais-en 5. Allez, garde pas la barre comme ça, reste en mouvement. Tu te reposeras après quand t'as déposé. Allez, vas-y. Va jusqu'à la 5ème, il en reste 2 après, ça fait les vite et après pose la barre. Allez, une dernière. Let's go, boy. Allez, balance dans 5 à nouveau. Oh, c'est terrible le cardio. Allez CF. Allez, je vais voir sa grand-mère.
Fais-en 5 rapides, tu te reposes après. J'ai plus de cardio. Allez, Kevin, lâche pas. T'as fait le plus dur, là, on arrive à la fin. Allez, 5. Allez, fais-les vite, tu vois, c'est plus facile, je te les fais vite. Respire bien. Inspire quand tu descends. Allez. Allez, descends bien dans ton squat. 2. Allez, Kevin. 3. C'est bien, ça. Allez, direct. 4. Allez, dernière. Let's go. Je vais t'emmener du mental, moi, tu vas voir. Allez, lève les coudes. Et direct, reste pas en haut. Fais des reps, avance. Et CF. C'est bien, ça. Ça bombarde. Allez, il en reste 4, c'est pas grave. Ah, si, en fait, j'aurais pas dû me moquer du crossfit. Hein, mais... Là, les gars, je vous jure, il est vraiment dans le dur. Envoyez-lui un maximum de soutien, un maximum de pouces bleus pour Kevin. Allez, bombarde-nous ça. C'est bien ça. Rappelez-moi de jamais me moquer du crossfit. Allez, les burpees box jump synchro. Ah, ah si. C'est impossible, j'arrive pas. Là, on va entrer dans le dur. Burpees box jump synchro. Le but, ça va être qu'ils tiennent un petit peu mon rythme. On va commencer doucement et on va pousser au fur et à mesure. T'es prêt? Non. Allez, viens. Allez, on va doucement. Oh, j'ai trop. Oh, j'ai les deux mollets. Oh, c'est terrible. Ah, sa grand-mère. Oh, l'humiliation. Ah. Oh, bah, je suis fini, toi. Ah. Ça fait notre maître en continu ou là, c'est finito, quoi. C'est fini. Là. Abandon complet. Abandon, là. Ça allait après les tractions, finito. Ah, c'est le chaos technique. Et c'était plus musculaire, cardio, l'énergie. C'est tout. Tout. Tout, la vie de ma mère. Parce qu'en fait, le cardio prend le dessus, ensuite ça tape les muscles, et ensuite terminé. Et pourtant, les gars, regardez-moi cette épaule là à la lumière. Il est solide pourtant. La vie, c'est grave, j'ai beau avoir des triceps, tout ce que tu veux. Impossible. Impossible. Bon, en vrai, les gars, il s'en est plutôt bien sorti. Le seul souci, c'est que c'est pas le style d'effort que t'as l'habitude de faire. Donc forcément, là, je regarde le timer. Je pense qu'au bout d'une vingtaine de minutes, c'est là que c'est devenu très très compliqué. Mais 20 minutes à haute intensité comme ça, c'est assez dur, même si c'était moitié-moitié. Du coup, on a travaillé chacun, je pense, 10 minutes. C'est que c'est grave. La vitesse où t'allais, je sortais de la barre, j'ai l'impression que j'ai les stéroïdes, moi. La vie de ma mère, c'est trop. Je faisais ma série, je tourne le dos, je fais un cercle, je me retourne, t'as fini. C'est flashback queen, le type. La vie de ma mère, j'en pouvais plus. T'avais à peine vidé, j'avais rattaqué. T'es décédé. La vie, j'en peux plus. Ah, je suis encore KO, c'est grave. Là, du coup, ce qu'on va faire, on va un peu l'hydrater, le frérot. Et une fois qu'il est remis de ses émotions, je vais préparer une petite épreuve de force sans cardio ni rien. On va voir ce qu'il nous fait là-dessus. Je pense qu'il pourrait être plutôt bon. La prochaine épreuve, issue du strongman. Le but, ça va être de déplacer le yoke. Alors, à vide, il fait 70 kg. Et le but, ça va être de le déplacer en position au-dessus de la tête sur une dizaine de mètres. Je te laisse faire le premier essai. Lui, en plus, il est bien parce qu'il est pas très grand. Du coup, il est quasiment déjà debout quand il se met en place. Et là, à 70 kg, c'est propre. Ah, c'est trop facile. La deuxième essai, on a rajouté 5 kg de chaque côté. Ça fait qu'au total, on est sur un yoke à 90 kg. N'hésitez pas à me dire en commentaire, là je fais cette vidéo avec mon modérateur Discord. N'hésitez pas à me dire pour une prochaine vidéo de ce type, qui est-ce que vous voudriez voir sur la chaîne. Mets-toi déjà bien droit. Avant d'avancer, mets-toi déjà debout. Commence pas à avancer d'abord, juste mets-toi droit. Juste droit d'abord. Juste droit avec le truc au-dessus de la tête. Et après seulement t'avances. C'est bien, bah, parfait. Allez, allez. Les directs, prends les bras. Pousse au-dessus de la tête dans le trapèze. Allez, t'as rajouté 2 mètres là. Allez, plus de 2 mètres. Allez! Ah, c'est bien dans les épaules, allez, vas-y. Allez! Allez, c'est bien ça. Allez, garde le rythme. Bon, on se la partage, c'est bien.
trop facile pour toi. Les gars, j'allais tourner la fin de la vidéo. Calvin, il est en train de réussir le yoke à 100 kilos. C'est parfait, c'est le destin. Franchement, bien joué les gars. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne. Et je vous dis à très bientôt.